Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle découverte sur la chaîne. Nous découvrons donc Void Roof. Évidemment, quelle prononciation incroyable, Void Roof, qui est un Metroidvania développé par Power Snake. Power Snake, c'est ça. Et édité par Quali. C'est prévu pour sortir en 2024, on ne sait pas quand exactement, mais ça a l'air sympa. Ça avait l'air sympathique. Petite musique. Attention. Je vous promets rien YouTube, vous savez, je teste des démos. Je ne les teste pas avant que nous les testions en live, donc je ne sais pas. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. On verra. En tout cas, le peu que j'ai vu, ça avait l'air sympathique. Ça a mérité en tout cas de jeter un petit coup d'œil, de tester tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent un petit peu? C'est un jeu action plateforme en 2D avec un monde d'horreur cosmique dessiné à la main. Explorer les ruines en dégel de la première civilisation et tuer les dieux qui y vivent. Développez vos pouvoirs, trouvez des artefacts antiques et étendez votre sanctuaire. Incroyable. Merci beaucoup pour change de jeu, chef. Bravo. Le descriptif. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. La fête de la musique ce soir, YouTube. Et Serda voulait aller du trombone comme l'année dernière. Trombone Charm, c'était terrible. C'est en français. En tout cas, la démo est en français. Bravo. Mon cher YouTube. Tu peux laisser un petit message dans les commentaires aussi si tu veux soutenir la chaîne, c'est tout à fait possible. Le petit pouce bleu, l'abonnement, tout ça suit, hein. Bon, je le dirai à la fin aussi, mais... Et le sempiternel aussi, coucou sur Twitch, n'hésite pas. Depuis d'innombrables générations, les trois gelées de l'archipel de Gati sont demeurées immobiles. D'anciennes voix tremblantes racontent l'histoire d'une ville de progéniteurs disparus depuis le temps immémoriaux et de dieux enfouis profondément sur la surface du monde. Je suis pas obligé de le lire vite puisque je dois appuyer sur continuer pour que ça continue. À l'avènement de chaque nouveau siècle, elle s'éveille. Lorsque l'arrivée de l'étoile rouge s'annonce, ses glaciers se brisent, ses glaces fondent et l'icor irisé ruisselle une fois de plus des carcasses des progéniteurs, emplies de la détermination de ses hôtes morts depuis déjà longtemps. En cette période, certains affirment que des voix leur susurrent de se rendre au détroit. Le doux appel des progéniteurs se fraye un chemin à travers tout le pays, invitant chacun à poursuivre ses ambitions et rejoindre les ruines d'en bas. Ah bon? Ça me rappelle un autre jeu. Ensorcelés par ce chant des sirènes, les explorateurs partent en quête de trésors et de gloire. Les érudits s'aventurent pour recouvrer un savoir perdu, tandis que les excentriques consomment l'icor dans l'espoir de gagner la faveur de ses créateurs. Pourtant, loin sous la surface, quelque chose d'autre s'éveille. Se languissant de sortir. Ah! Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce que j'ai raconté encore? Qu'est-ce qui se passe? Je fais rien, c'est pas moi. Ah bon? Voilà. L'archimandrite. Béni soit l'avant. Enfin le saut tombe. Enfin vous êtes là. Depuis longtemps je m'occupe de la flamme de ces bougies, dans l'attente de votre venue. Ne détournez pas le regard de cette immonde enveloppe. Je n'existe que pour servir. Notre sainte mission peut commencer. La ville est en proie à la gangrène, corrompue par les impurs. Dans les couloirs de la courte terre des artisans de notre ruine, ils s'y sont réfugiés il y a des siècles de cela, lors que les calamités nous frappaient. Ces portes sont de nouveau béantes et son sein s'éveille une abomination engendrée par une ancienne transgression et... Lorsqu'elle sera anéantie, la ville pourra enfin renaître. Je vais marquer les appartements royaux sur votre carte. Elle vous guidera. Profitez de ce moment de calme pour prendre la mesure de votre nouveau vaisseau. Ah. D'accord. Mon vaisseau, c'est-à-dire... Ah oui, d'accord. Mon vaisseau... Merde. La souris. Allô? Pourquoi je peux pas le bouger? Merci. Je me mets sous la carte. On va voir ensuite c'est ce qu'il en est. Ah, c'est joli. Est-ce que c'était par là? LB. Hein? Ah, c'est bizarre. Ah, il est bizarre le dash. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Sauter. Oui. Ok, c'est ça. Oh, le Hollow Knight. Hollow Knight tier. Ok. On a du pognon. En haut à gauche, j'imagine que c'est la vie. On a des cristaux. Peut-être c'est un soin. On va laisser faire le tuto.
augmenter un peu le son. Qu'est-ce que vous avez tous les deux là? Calmez-vous. La cour. Est-ce que je peux passer derrière les mobs? Pas sûr. Non, je peux pas maintenir Y pour se soigner. Ah, je peux m'accrocher. Ok, je me suis soigné. Ok. J'ai pas de double saut, mais j'ai une ruée. Ah! Mais je pouvais m'accrocher? Attends. Et ça servait à quoi? Ça m'évitait de faire des combats, c'est ça? Je peux pas faire ça. D'accord. Ah! Est-ce que je peux attaquer vers le bas? Ah oui. Mais je gagne des trucs. Ça vaut le coup quand même. Ah, les petits fils quand même, j'avoue. Ça c'est quoi? C'est un... à looter ça? Ah bon? Faut que je fasse gaffe. Donc là on a un dash qui se recharge. Il se recharge. Comment je sais qu'il est rechargé? On sait pas. On se démerde. Ah oui, on a l'attaque vers le bas. Meilleur jeu. Excellent jeu. C'est moi ou c'est pas mal? Il fait quoi comme attaque lui? On saura pas. Il y a un truc ici. Enregistrer la progression. Progression enregistrée. Ah oui, c'est un save. Safe place. Ok, Rogue Legacy. Ah, par contre, ouais, les mobs reviennent. Ok, c'est logique. Ah, par contre, le dash, est-ce que je dash? Non, je pense pas que je dash à travers eux. Un fragment d'artefact. Formidable. Ok, ici, c'est pas pour maintenant. Parce qu'il faut un petit crochet. Est-ce que je peux aller dessous? Oui. Est-ce que je peux tricher? Non. Ah. Ah merde, je voulais tricher. Je pensais pas que ça marcherait. Est-ce que je peux dasher à travers? Non. Fallait tester. Y'a quoi là-haut? Je viens de là ou pas? Je sais plus. Non, je viens pas de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Posséder. Oh, c'est stylé. Encre du lien nécessaire. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas d'encre du lien en tout cas. Ok. Oh, y'a un style graphique, hein. Y'a une DA très particulière. Mais plutôt agréable. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux rien faire avec ça. Ok. J'imagine que ça me tire des trucs ça, à la gueule. Ça meurt. Oui. Visiblement, ça meurt. Ah! Je peux rien faire, ok. Donc là, j'ai rien à faire ici. C'est Keblo. Ah! Communier, je l'ai pas vu. Ces lieux sont clos. Ces lieux clos sont le témoignage de la couardise engendrée par l'incertitude. Alors que la ville sombrait, le peuple hurlait et pleurait, et se réfugia derrière de lourdes portes et des murs de pierre, espérant réchapper de la calamité qui s'abattait, ne faisant confiance qu'à ce qu'il pouvait voir ou toucher. J'ai envoyé un petit message plein d'amour à ma tata, je sens que je vais me faire gentiment péter la bouche. J'espère que c'est un vrai gentil message. Hein. Ce manque de foi ne resterait pas impuni. Les froides ténèbres où il se réfugia donnèrent naissance à d'étranges créatures, d'anciennes bêtes venues de toutes les contrées du monde, et rapportées à la cour, changèrent et devinrent quelque chose de nouveau. Les impies devinrent proie pour ceux qui osèrent prendre leur destin en main et ne furent plus, dès cet instant et pour toujours, que des coquilles. Témoignage tout autant magnifique qu'inquiétante de leur manque de foi. Ok, on est allé là? Je suis où? Je sais pas où je suis. Oui, on vient de là, ok.
On me vient de là. Ah oui d'accord, ok, quand tu changes de salle... Ça on l'a fait. Oh c'est quoi ça? On peut pas les tuer. Je peux pas passer? Ah non d'accord, ok, c'est une porte. Oh la musique elle est stylée hein. Ok. Un truc wow, wow, ok. Non, arrête. Comment je fais? Moi je la casse. Je peux pas la casser la gueule? Si, 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 si. Ah, je peux tirer en l'air. Trop facile. Ça, ça peut me toucher, je pense. Merde. J'avais oublié que je passais pas à travers. Je peux peut-être me soigner? Ça me soigne de combien? Ah oui, quand même, ça me soigne de beaucoup. Et comment je l'ai rechargé? J'ai pas vu. Peut-être que c'est par là. Et le problème, c'est que je sais pas où je suis, donc... Ah. Tu t'en vas? Ouais, très bien. Oh, merde. Ok. Ça, c'est quoi, ça? Un éclat de Vita. Ah, c'est pour avoir, je pense, un point de PV en plus. Oh, ça va, hein. Oh, vous, ça va, hein. Ah, c'est quoi, ça? Ça fait mal? Oui, ça fait mal, ok. Pourquoi il se déclenche, d'ailleurs? C'est quand je m'approche? Oui. Là, je peux rien faire, là. Ça, c'est un bouclier. Ok. Est-ce que je peux aller dessus, par contre? Ah oui. Faut se barrer, par contre, merci. Ok, non, si je peux faire quelque chose. Ok. Un reste divin. Ok. En tout cas, putain, mais ça part jamais. Manette en main, c'est très... Ok, je peux pas enchaîner les... Je peux pas enchaîner les dashs. Noté, hein. D'accord. Ah, merde. Ouais, dommage. De toute façon, j'allais me faire défoncer, sinon. Si, pourtant. Ah non. Ok. Ok. C'est vraiment... Il y a une vibe, hein. Vraiment, il y a une bonne vibe, hein. J'aime beaucoup. J'ai une soignade. J'essaie de pas canner. Il y a une bonne petite vibe. Je saurais pas de quoi, donc qui lui est assez propre. Manette à main, en tout cas, c'est cool, hein. La Triforce. C'est pas la Triforce. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. Classique. Classique mais efficace. Spécial le night celui-là. Allez, tourne-toi. Aïe, il me met un coup en arrière. Moi je te défonce hein. Non mais on a déjà fait ce jeu. On l'a déjà fait 1000 fois ce jeu. Voilà. C'est dur hein, c'est dur de passer après Hollow Knight. C'est joli quand même hein. C'est quand même joli. La carte, les couleurs de la carte non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave parce que ça va pas trop avec le reste je trouve. Ça jure un peu là. On se demande ce que ça fout là. Je touche. Ah! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ok, objet ici. Attaque chargée. Stylé. La vérité, stylé. Ah. D'accord. Ah, mais non, mais... Ok. Et mais potentiel, là. Fort potentiel. Ah par contre faut attendre que ça soit chargé. Ok.
Mais du coup, il y avait quoi là qui était Keblo? Ah, j'ai envie d'avoir un double saut là. Plein de moments là où je me dis un petit double saut là, je dis pas non. Il y avait quoi là ici? C'est pas ça. Et du coup, je pourrais les sauvegarder peut-être. En vérité. Oui, mais non, mais reste pas là. Non, là, ça c'était mauvais ça. C'est là, non, la sauvegarde? Je sais plus. Pas du tout. C'était en dessous. C'est là. Juste là. Donc là, est-ce que ça me... Oui, c'est ça, ça me remet tout, à fond. Est-ce que ça vaut le coup d'aller... je sais plus. Là? Non. Là-haut? Genre là? Oh, c'est quoi ça? Marchand. Oh, gens inconnus, accorderiez-vous un beau bras à un pauvre malheureux âme? Ne vous inquiétez pas, car je ne suis pas comme les autres, bien que mon fardeau soit aussi tout aussi lourd. Accablé par le bon physique, maudit, certains tirés par le besoin irrépressible de posséder. Ah, ampoule de Staz, une relique. Reste un divin, 610 corps. J'ai 6, j'aurais pas, je pourrais. Une hache spectrale. Un fragment et 400. Invoque le souvenir d'un guerrier oublié pour infliger une série d'attaques frontales à courte portée. Canalise des selles cathartiques plus rapidement. L'alchimiste. L'artificier. Un blason. Une relique, un blason. À quoi correspond quoi là? Focalise des spectres. Eh ben... Voilà, ça a l'air cher ça. Un blason, l'esclave. Octroi de la santé supplémentaire. Ouais. Les gains infligés par les reliques remplissent désormais les charges du néant. Ah bon. Canalise les selles cathartiques plus rapidement. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Au lieu de devenir un guerrier. Impact, c'est un pool. Crée une bulle dans laquelle le temps s'écoule bien plus lentement. Les êtres puissants ne sont pas affectés. Oh, si je l'achète. Je peux plus rien acheter d'autre, hein, mais... Ok. Est-ce que je veux m'aider? Oui. Les reliques sont des réceptables de puissants effets activés en utilisant des recharges. Charges du néant. Les charges du néant se remplissent en visitant une chambre de méditation ou en frappant des ennemis. Les blasons confèrent des bonus passifs lorsqu'ils sont équipés à des blasons. Ok. Artefact. Ah. Bébé. Relique. Équiper, déséquiper. Pourquoi je peux pas? Ah oui, voilà, d'accord. Il fallait choisir entre droite et gauche. Ok, c'est pas clair. Hein. Inventaire. C'est mon inventaire. Le compendium, la carte. Les artefacts. Très bien. Je suis pas allé là. Ah si, mais il était pas. Si, j'y suis allé, mais il était pas tout à l'heure. Encre du lien nécessaire. Ok, on sait pas ce que ça veut dire, mais c'est nécessaire. Formidable. Et ici, il y a quoi? On vient de là? On est allé voir là, mais par contre, oui, c'était bloqué. Mais maintenant, on peut. Maintenant, c'est débloqué. Incroyable. Oh, les fils, hein? J'ai envie d'explorer, là. Hein. J'ai envie d'y jouer, là, dis donc. Salut, Gogis! Ah, le retour de Gogis! Le chat noir est passé. Le Gogis est revenu. Barbeau. Bienvenue. Ah oui non, on pouvait pas. Et à gauche c'était pareil. Ah non, si on pouvait là. Ok, là on pourrait ouvrir. Oh du lore. Lorsque l'étoile rouge brillait au firmament, un prince de sang fut tendu vers le ciel pour être baigné. Salut divine lumière. Un miracle issu de la matrice stérile d'une oreille vieillissante. La cour était en liesse. Le roi ordonna que les mets délicats des confins du monde fussent apportés par les mers et par les terres aux jeunes héritiers. Salut Miss Kitty!
Coucou, comment ça va? J'écoute, ça va bien, ouais. Un peu fatigué, mais ça va. Ça va, ça va. Aucun pourtant ne parvenait à sustenter l'enfant. Ni fruits exotiques, ni viande épicée, ni nectar sucré ne le nourrit. Rien ne put apaiser sa faim et son corps resta malingre, dépérissant inéluctablement. Désespérés, le roi et la reine implorèrent des dieux de leur venir en aide et apportèrent leur chair sanctifiée à la cour. Dès lors, l'enfant fut l'incarnation de la joie et son ventre demeura rond et plein. Ah bon, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'était une belle connerie. Hop là, c'est ça moi ça. On teste une petite démo là de Metroidvania. Plutôt pas mal hein. Plutôt pas mal du tout hein. Salut Corfin. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Installe-toi bien. Attendez. Regardez. Hop là. Ça a marché. Si je fais ça. Comment ça? Ah. Attendez. Hop là. C'est moi ou... Mais il faut que je le frappe vers le bas. Objet acquis, chakram spectral. Attendez, j'ai un objet. Ok, LT et RT. J'ai toujours pas vu, hein. Et quoi ici là? Où est-ce que je vais là? Dans quelle étagère en vrai? Oh! Attendez. Attendez, vous allez voir. Hop là. Ah d'accord, ok, on a traversé le truc là. Bonjour, bonjour. J'étais caché dans l'ordre du chat. Ah bon. Un Corfin caché. Eh bien, un Corfin quand même. Hein. Ça marche. Bienvenue à toi en tout cas. J'espère que tu vas bien. On découvre des démos aujourd'hui. Là, c'est la dernière de la session. Je vais finir bientôt, là, vers 5h, 5h15. Mais et là, on est sur un Metroidvania qui s'appelle... Merde, je sais plus. Void Roof. Ouais. C'est une démo, là. Vraiment sympa. Vraiment sympathique. J'ai pas vu ce que c'était. C'était quoi? J'ai acquis quoi? Le double saut? J'ai pas vu. J'ai pas regardé. Attends. Oh damn. Attaque chargée, glisser, ça c'est bon. Ah non, agrippement. Non, ça je savais ça. Ah, vrille peut-être. Qu'est-ce que c'est ça? Invoquer une vrille à LB. S'attacher en l'air. Ah oui, c'est ça. C'est le fameux This is el famoso la vrille A et LB. LB? Oui, on est d'accord hein. Ok, waouh, j'étais pas prêt. Éclat de la Vita. Ok. Formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ok. Des ouverts. On a le grappin. Oh là là, mais c'est fluide en plus là, en termes de... Manette en main là, c'est beau hein. Mais je peux attaquer de là. Je peux attaquer de là? Oh, j'ai triché alors. D'où j'ai triché comme ça? On peut utiliser ça. On va sauvegarder. C'est très joli hein. Vraiment, il y a un fort potentiel. Ce jeu a un fort potentiel. Qu'est-ce qu'il y a tout en bas? Je m'en sauve, il y a un peu l'eau. Soit je dois vous laisser, c'était cool de lurker même en un court instant. Mais bon week-end. Bon week-end à toi, Deke. C'est toujours cool de t'accueillir. Ça a l'air d'avoir un bon feeling ce petit jeu. En vrai, oui. Manette à main, Corfin, je suis tout à fait d'accord. Des bisous, Deke. Merci d'être passé en tout cas. Et prends soin de toi. Passe un bon week-end aussi. Aïe, j'ai pas vu. Bon, après, les feelings aussi sont bons parce que le streamer est exceptionnel. J'en fais. Peut-être un peu trop là. Ah bon. Ah. Ah. Attendez.
Regardez. Regardez comme c'est beau. Objet acquis. Cryptogramme antique. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Attendez. Ça sert à quoi ça sert? Des écrits secrets qui peuvent être consommés pour ouvrir des chambres fortes. Ah bon. Et du coup ça servait à quoi? Ah d'accord, ok, c'était juste pour le loot. Ah mais j'avais pas vu là-haut. Attendez. Hop là. Non quand même. Respecte-moi. Merci. Ok, j'aurais peut-être pu les tuer aussi. Mais bon. En vrai, ils m'ont rien fait, hein. Me retomber dessus si je fais ça. Je suis sûr que ça fait des dégâts. Il y avait quoi? C'était pour faire le tour. Non, ça se passe tout en haut du coup. Rappelez-vous, il y avait un grappin tout en haut que on savait pas comment on pouvait y monter. Oui, je suis français. Oui, oui, je parle France. Je parle la France. Oui. Donc on a débloqué le grappin, l'attaque spéciale. On sauvegarde. Hein. Ça mange pas de pain. Ah c'est pour ça bien sûr, faut pas chercher trop loin tu sais. Tout se passe entre l'écran et la manette. Bon, il s'avère que quand ça se passe mal, oh non. Oh non, bah non. Je refuse, ce dégât... Problème, j'étais tellement occupé à me la péter, que j'ai pas vu qu'il y avait un ennemi. Hop là. Alors que là maintenant... une attaque, une sneak attack. Non. Oh non. Le marchand il est où là hein? Il est là. Est-ce que j'ai de quoi acheter d'autres trucs? L'alchimiste, l'artificier, un blason. On a un blason ou une relique qu'il faut? Attends. Attends, moi j'ai quoi? Ça c'est quoi? Ah, j'ai pas de blason. Il me faut un blason. I need the blason. Quoi ça, un blason? H-spectra alchimiste. Est-ce que c'est canaliser sel cathartique plus rapidement? Mais ça c'est bien ça, c'est pas mon attaque spéciale là? Dégâts infligés par les reliques, ouais. On trouve la santé supplémentaire. Non mais ça c'est bien. J'accepte. J'accepte d'être un alchimiste. Les dégâts infligés sont grandement accrus lorsque la santé est faible. Ah. Oui. Lunette cristalline. Oh. Ah oui. Oui, oui, oui. Et oui. Merci Julien. Et mais du coup merci Julien aussi. Double merci Julien. Focalise les spectres insoupçonnés de la lumière en un faisceau horizontal dévastateur. Rien compris. J'achète. J'ai rien compris, j'achète. Donc, à gauche. Je sais pas à quoi ça sert, mais je crois que c'est passif. C'est actif. Invoque des souvenirs d'un guerrier oublié projet d'une lame vorpale décrivant une courbe. Il faudra peut-être que je l'essaye un jour ce truc. Hein. À un moment donné. Hop là. Ok, ça on l'a fait. C'est ici où on l'a pas fait. C'est là où on a besoin du... Explosé? Oh non! Je me soigne. On n'y voit plus rien. Attendez, faut se mettre à bonne distance. Bon, je lui tape pas, je tape pas lui. C'est bon? Ok. Ah, connais pas eux. Ah j'ai balancé, ça a marché. Et RT, fais voir. Aïe. Non, putain. Ah oui, du coup le temps est ralenti dans cette petite bubule là. Sympa. Ah peut-être que je peux envoyer le truc bouled là. Mais d'où? Ouais. Ouais. Ok. Tiens, regarde. Non, putain, je me suis trompé. C'est ça que je voulais faire. Il faut le faire à bonne distance. Je suis décédé comme un caca. J'avais pas vu. Double jus au carré. Ah, mais je reviens ici. D'accord. J'ai pas chargé. Non, pas comme ça. J'ai une théorie. Ah non, ça c'est nul. Non, je ne peux pas leur envoyer. Je me suis trompé de bouton encore une fois. Elle est décédée ou pas? Elle est décédée. Ah, c'est dommage, je pensais vraiment que je pouvais leur envoyer la boboule là, une fois que je l'avais tuée. Je l'ai envoyée au bon endroit.
Ça pouvait lui casser la gueule. Oh, c'est un soin. Ah. Aïe. Merde. Ok. Non. Non. Attendez, j'étais pas prêt. Je sors de là. Je sors de là. Voilà, la remise en question est totale en termes de talent du streamer. Pourtant, c'est bien réel. Hein. Je vous jure, c'est bien réel. Là, il y a un truc. Regardez. Ça, c'est du talent. Je suis désolé. Orphine, voilà, je te sens douter. Mais regarde. Tout est calculé. Un peu de juste. Hein. Vaisseau renforcé. Ouais. Non, mais c'est même le terme dans Hollow Knight, quand même. Fais gaffe, les mecs. Oula, oula, oula. Ouais, va falloir vous calmer là. Ça, c'est une attaque spéciale quand même. Ah, doudou, t'attaques à la verticale des fois. À l'horizontale, je veux dire. Oh non, le sbire. Le sbire nul, il me fait mal. Je suis pas d'accord. Hop là. Non, mais pas ça. Hop là. Je peux tricher ou pas? Voilà, voilà, calme-toi. Oh non, il m'a bien eu. Oh là là, j'avoue. Non, j'avoue, je l'ai pas vu venir. Attention, hop. Ah, c'est ce que je voulais faire. Le talent. Faut que j'arrête maintenant. Ah, mais putain, mais faut pas faire ça. Le talent, bon. Bah, c'est pas que du pif, hein, regarde. En tout cas, c'est très sympa. Hein. Très très sympa. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à rien en fait, hein, puisque je connaissais pas le jeu. Oh, je peux. Ne pas rester là. Merci. C'est fait. Raté. Ouais, on va continuer par là, je pense. 80% de déni, je pense. Objet acquis, encre du néant. Bel objet, à quoi ça sert, Jean? C'est où? Là. Permet l'activation du réseau complexe de portes du néant de la ville grise. La téléportation instantanée entre les portes découvertes. Ah bon? Ah bon? Ah mais oui, quand tu changes de... Ouais, c'est comme dans Hollow Knight, remarque. Mais c'est moi ou si... Comment... Ah mais je peux aller là, ouais. Arrête. Il est très cool ce mob là. Putain mais il est très chiant surtout. Non mais il est un sup. Putain, il est vraiment un sup. Je vais canner. Je... Oh, il... oh putain, il est un sup. Est-ce que je perds de la vie? Est-ce que je perds quoi? Je perds quoi quand je meurs? Je d'accord, ok, y a pas un... Non, c'est pas le même système, donc. Ok, il est pas là, bah tant mieux. Ah, on peut rien faire. Je peux descendre, je peux pas regarder vers le bas, ça c'est chiant. Oh, c'est quoi? Déplacer la structure. Ouais. Grosse énigme, non? Qu'en pensez-vous? Bravo! Voilà! Là, c'est pro! Merci! Merci, mais non. Mais. Pourquoi? Bac plus 15. Easy. Peut-être qu'il fallait à la droite ou à gauche avant. Oui, oui. Oh non, c'est le boss! Non, c'est bon. Attendez. En tout cas, c'est un boss. On a vu sa grosse bedaine. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, ouais. Porte du néant déverrouillée. Se téléporter.
Mais où? Ah, je peux aller à la cour? Ah bon, ok, ok. Je comprends maintenant. Donc ça, ce sont des TP. Et ici, c'est une sauvegarde, évidemment. Plus intéressant, quand même, de sauvegarder. J'ai bien fait de revenir en arrière. J'ai bien senti que... C'était nécessaire. Premier boss. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah! Attends, c'était prêt. J'ai failli le déclencher tout à l'heure. Hein. Oui. Il est pas là pour discuter, visiblement. Ah! C'est... Quoi? Qu'est-ce que... What? Ok. On peut pas utiliser le double saut, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Non! Ok, d'accord. Comment je fais pour éviter ça? Ok, comment je fais pour éviter ça, moi? Oula. Oula, oula, oula. Oh, je suis pas prêt. Fous-moi tranquille. Fous-moi tranquille. Aïe. Soin. Non! Comment je fais pour me baisser? Attends. Il doit bien y avoir une strat là. Et comment je fais pour éviter ça en vrai? Attends. Ah, oh, ça me rend fou, je sais pas. Je vois pas. Mais comment? Oula, il me balance des trucs là. Aïe aïe aïe, il part en arrière, d'accord. Ok, je l'ai pas vu venir. Je peux pas me baisser, je peux rien faire, je comprends pas. Non, pas ça. Mais comment je... Attends, et peut-être que je peux m'accrocher? Ah, ça m'énerve. Je comprends pas la mécanique. La manette s'est mise à vibrer à donf. Ok. En tout cas, c'est stylé. C'est non. Le boss est vraiment stylé. Et les mécaniques, c'est intéressant le fait que ça tombe comme ça là. Mais il y a vraiment de bonnes idées, hein. Attention. Ok. Non. Je suis où là? D'accord. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que... Peut-être faut frapper avec un... Je peux passer par-dessus. Là il part en arrière. Je vais mourir. Ça me rend fou. Ah mais si, comme ça. Oh putain, mais je suis con. Oui. J'avais oublié que je pouvais faire une petite... comment je fais pour éviter ça? Je sais pas. Ok, c'est bon, maintenant je perds plus. Regardez. Oh, c'était si simple. C'était si simple pour éviter ça. Bon, maintenant c'est. Comment il. Quand il crache son truc là? Du bidou. Voilà. Là, c'est non, mais juste. Merde. Oh, j'étais crédit là. Ah, je suis pas mort. Ah, mais oui, non, ouais. J'ai pas eu le temps de me soigner. Dashin. Mais oui, non, mais j'avais oublié que mon petit dash. J'avais oublié mon petit dash 2 en 1 là, où je pouvais passer dessous comme ça. Par contre, quand il crachouille là, je fais quoi? Aucune idée. On va voir. Ah, c'est vraiment cool, hein. Au secours. Ah, ça va aller. Promis, ça va bien se passer. Je meurs plus. Zéro dégâts. Ah, ça j'aurais pu l'éviter. J'ai oublié qu'il faisait ça. Ok. Ah, et donc là je fais quoi? Donc ça c'est le. Juste le void, une espèce de void bizarre. Ok. Ok, tu balances ton truc. Non. Et il enchaîne. Là le void. J'essaie de pas m'approcher.
Ok, jusque là, tout va bien. Il peut dash, non, il dash pas. Il fait son machin. Non, pas le void, merci. Je peux passer à travers lui, on dirait, non? Attends, putain, j'ai pas compris. Si c'est le cas, j'ai pas pigé. Oh, j'ai pris un dégât là-dessus? Non. Peut-être je peux faire ça? Ça, par contre, c'était le bon plan. Easy. Bon, c'était facile en vrai. Il était pas dur. Hein. Une fois que tu savais comment éviter les trucs là, bon. Ah, merci d'avoir essayé la démo de Void Through. J'espère qu'elle vous a plu. Bah oui, ça m'a beaucoup plu. Le jeu est toujours en cours de développement, alors n'hésitez pas à partager votre ressenti avec nous. La VF est vachement bien. Est-ce que ce serait 36 minutes? 4 morts? Non, ça c'est faux. N'oubliez pas d'ajouter Void Through à votre liste de souhaits. Oh, si c'est pas fait, je le ferai. Avec grand plaisir. Est-ce que ce serait un studio français? Je ne sais pas. Recommandez-vous ce jeu à un ami? Oui, tout à fait. Je recommande ce jeu à un ami. Je vous recommande ce jeu. Incroyable, je le vous recommande. Bon, YouTube, trop bien, Void Through. Très très sympa, avec des mécaniques bien à lui, Zo, avec une DA bien à lui, une histoire bien à lui, un univers bien à lui. Non, vraiment, il y a certains Metroidvania qui arrivent à ne pas faire du Hollow Knight-like, copier-coller, clone. Oui, c'est joli, c'est fluide, manette à main, c'est facile à prendre en main quand on n'oublie pas une des features du personnage, hein, évidemment, sinon on comprend pas comment on fait pour éviter les gros cailloux qui nous arrivent sur la face. Mais sinon, c'est parfait, c'est nickel, c'est intéressant, bravo, bravo. Voilà, YouTube, en tout cas, c'était donc la découverte de Void Through. C'est où Void Rook. Metroidvania, donc, qui a été, voilà, je trouvais plus la ligne, pardon, développé par Power Snake et édité par Quali. Par contre, je n'ai rien d'autre que pas de date, 2024, un large 2024. Donc ouais, c'était très cool. J'espère que tu as apprécié, mon cher YouTube. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, petit commentaire aussi, un petit message dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Ce que t'en as pensé, faire un petit coucou, un petit zibou, tout ça. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures. C'était Equilibrium. Bye bye.